Adrien, nous sommes jeudi, nous sommes à 3 jours de la grande échéance. Vous allez monter votre championne, Étoile Débrouillère. Comment vous jugez son meeting d'hiver? Oh, il est très bon. La préparation s'est passée comme on le souhaitait. On était un peu dans l'expectative juste avant le meeting et nous a rassuré en gagnant pleinement l'objectif de début d'hiver. Depuis, ça s'est passé comme on voulait, une course attelée, une course montée, qui se sont bien déroulées dans l'ensemble. Donc, pour l'instant, RS. Elle a terminé 5e du prix du Calvados. L'an dernier, elle avait terminé 3e. Est-ce que vous pensez que là, elle était vraiment bien physiquement? Oui, elle était bien. Le classement, qu'on soit 5 ou 3e, c'était pas ça qui nous importait. C'était plutôt la façon dont elle se comportait. Elle a battu le record, son propre record sur la distance. La dernière, elle devait marcher 13, là, elle marche moins de 13. Donc la jument est dans le même état de forme que l'année dernière, a priori. Vous l'avez dit la dernière fois, elle était déférée des antérieurs, elle n'était pas dans sa robe de mariée. Dimanche, là, elle est prête à tout donner. Bah, normalement, oui, voilà. Elle était dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que dimanche. Elle avait les fers de derrière, là, elle ne les aura pas. Elle avait les bottines, là, elle ne les aura pas. C'est une jument qui, lorsqu'elle est dans cette configuration-là, est normalement un peu différente. Ça va être un peu plus compétitive. Après, voilà, on sait qu'elle n'a pas la marge de faire le tour des autres, mais elle va avoir monté sur sa course d'avant, donc elle devrait être bien. Elle a réalisé une grande performance l'année dernière, 2e de Billy Billy. Comment vous jugez l'opposition cette année? La course est vraiment ouverte. Ouais, c'est très ouvert. Même si Billy Billy n'est pas là, je pense que c'est plus relevé que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait Billy Billy et les autres, entre guillemets. Même si Billy Billy avait été là cette année, je pense que ça aurait été encore très ouvert. Donc là, il n'est pas là, mais non, ça va vraiment être un joli cornulier. Sincèrement, je crois qu'on peut gagner comme on peut être 6e. Il y a vraiment... Avec la nôtre, c'est les circonstances de course qui vont faire la différence. Vous la connaissez par cœur. Quelle est sa principale qualité pour essayer de gagner cette magnifique course? Bah, nous, on a pour notre avantage d'être normalement assez pratique dans un parcours. C'est un bien pour un mal parce qu'on va être à la corde, on va pas faire d'efforts normalement. On peut se retrouver un peu loin, on peut prendre des coups. Mais si c'est assez fluide, dans une course normalement de ce niveau-là, c'est souvent fluide et ça va nous avantager. Donc on devrait normalement avoir une bonne pointe de vitesse pour finir. Voilà. Peut-être que certains chevaux vont avoir cramé un peu de kérosène avant, ça peut nous aider. Mais voilà, avant coup, on n'a pas la première chance. Que le meilleur gagne. Tout à fait. Merci Adrien.